tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en upcard en regardant passionnément le blé essayé de tous les sens. Deuxième vidéo en upcard, c'est bien, on survit. Dans la dernière vidéo, si on se rappelle, on a vu j'ai fabriqué une usine à poulet, donc je vais juste à faire ceci, ouvrir fermer ça n'a peu d'importance, reprendre les poules, on s'en fout qu'ils soient sur le côté, c'est les œufs qu'on veut, et voilà, puis tout est là. À un moment donné, quand je vais avoir plus de ressources, je vais faire un système légèrement plus automatisé. Que je pourrais faire en ce moment. Bon, il me faudrait des fils d'araignée à la base. Parce que j'en ai pas. Et ouais, j'en ai pas de fils d'araignée. Bon, on va faire ça. On va finir la semi-automatisation. On va peut-être je vais peut-être explorer un peu pour pouvoir automatiser ceci, le champ, ou peut-être le faire à une autre place, tout dépendant. Mais il me faut absolument du slime pour faire des pistons collants. Faut être fou pour partir maintenant, malgré que ça me dérangerait plus ou moins. Ça fait beau comme ça quand même avec les quatre boutons là. Ça serait ma prochaine miniature, pas celle d'aujourd'hui, mais ma prochaine miniature. Ça serait une bonne idée, si je m'en rappelle. On a pas beaucoup de stuff, malgré qu'on a beaucoup de graines. Que faire? Ok, pour les œufs, il y en a plein là. C'est ça, je vais me faire un coffre. Oh shit. Mais ça a changé. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça a changé. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça a changé. On va mettre le coffre ici. Mettre les œufs là. Voilà, on rentre. Et on va aller se coucher. Alors, on est de retour. Avec le soleil et le soleil. Le soleil levant. Ah ouais. Si tu mets de l'eau là-dedans, ou l'eau de la pluie a fait remplir ceci. J'en ai aucune idée, honnêtement. On va se faire des provisions. On va se faire des provisions. Et toi, pourquoi t'es pas à ta place? Donc, là. On va prendre... Oui, pourquoi pas. Ceci. On a envie de faire... à faire cuire. Bon, on est de retour. Et pour vous, ça n'a pas été long. Mais pour moi, par contre... il y a eu un appel... Bon, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Oh, je suis en train de faire du ménage, un tout petit ménage. Là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Un lit, bien évidemment. Sinon, on va laisser celle-là. Peut-être prendre la table de craft. Sinon, c'est à peu près tout. J'ai pas besoin de... d'autres choses. La canne à pêche, je vais le laisser ici aussi. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Tout se faire, ça serait dommage de tout perdre, honnêtement. Ça non plus. Pour les graines, on va y aller tout de suite. Oh, le soleil, t'avais l'air de se coucher. Les yeux
Que je me trompe. Une chance que j'ai une ou avec moi. Je me suis refait déranger, mais cette fois-ci par le facteur. Je me fais déranger par le téléphone, ensuite je me fais déranger par le facteur. Puis après quoi, je vais me faire refaire déranger encore. J'espérais juste que ça tombe pas la nuit, puis que je me fasse tuer d'une façon tellement ridicule par être en... me faire tuer en étant absent. Ça serait la mort la plus ridicule sur Minecraft, je dirais. Surtout au niveau upcurd, bien évidemment. Mais au moins, je suis pas mort. Au moins. Puis tout automatiser ça, ça serait pas de refus. Ça coûte cher peut-être, mais ça serait pas de refus. Bien évidemment, c'est sûr qu'il faudrait tout que je plante, mais planter c'est pas grave. Bien sûr qu'il y a des bouts qui sont pas complètement poussés, mais c'est pas grave ça aussi. Pourquoi? Tant qu'à tout trier ou bien tout enlever, logiquement. Voilà. J'ai entendu une araignée. Donc je vais la tuer. À moins que c'était une poule. Que j'ai entendu. Bon, on va retourner se coucher. On est de retour. Le beau matin. Dommage qu'on n'a pas de cheval, que je prendrais le cheval tout de suite. Il faudrait que je cherche un marais. Ou que ça pourrait bien être. Un marais. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez les coordonnées? Moins 294, 73, on s'en fout. 442. Si, admettons, je me perds, c'est pas grave! Parce que j'ai filmé les coordonnées. Eh ouais. J'ai filmé les coordonnées. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin. La série Upcurd, qui est bien appréciée par plusieurs d'entre vous. Mais on dirait d'autres séries, par contre, c'est toute une autre histoire. Du moins, la chaîne a baissé. Le nombre de vues, c'est surprenant. Deux semaines, je m'attendais à plus que ça pour au moins en plus la dernière de la saison. Je m'y attendais à plus que ça. Pour Turfman. Clash of Clans, ça a baissé aussi. C'est dommage. En gros, qu'est-ce qui est arrivé? La dernière vidéo Upcurd, ça a été la dernière vidéo un bon pourcentage quand même. Ensuite, Minecraft Saison 3. Ça a été Oh, un creeper. Ça a été un tout petit peu long avant de monter. Turfman, c'est sûr que... c'est long avant qu'il monte. Par contre, pour RPG Maker, ça, je suis quand même assez satisfait. Non, toi, peut-être pas, j'ai besoin de la... Bon, pas grave. Tentez pas de gosser non plus. Ah, c'est beau ça. C'est beau ça, mais j'avais envie de me tuer. Clash of Clans, c'est dommage, vu que c'est une... la série de ma chaîne. Ça, c'est dommage. Dying of Gods. J'aimerais bien continuer cette série, mais... ça s'avère que si ça continue, je risque de finir la série. Ou d'en faire moins souvent qu'un mot par... un mot par mois. Wow. Moins souvent qu'une fois par mois, si ça continue. Parce que, vraiment, je suis... ça attire pas beaucoup, je sais pas si c'est une série qui vous intéresse, Dying of Gods. Moi j'aime bien le jeu, mais si ça continue, je risque d'arrêter Dying of Gods, ou du moins en faire moins. C'est vraiment dommage.
Les théories Pokémon. Par contre, les théories Pokémon, ça, c'est bon, mais je sais que j'aurais aimé plus. Mais les meilleurs moments, par contre, je suis pas encore en dessous. Oh, il y a un village là. Ah, ouais. Ouais, je me suis tellement pas fait de pain supplémentaire avec tout ce blé. Je pense que j'avais même pas de charbon. C'est quoi ce... Je suis un cartographe. Hey toi, viens ici. Ouais. Ouais. Faut-tu que j'enlève ça? Que je fasse ceci. Mais pourquoi? Mais pourquoi ça il veut pas Ah! Ok, c'est correct. Mais pourquoi je suis pas capable d'accéder à eux? Mais pourquoi? Allô, toi? Mais pourquoi? Mais pourquoi que vous ne voulez pas? Ok, on va faire une affaire. Vous faites, je vous fais tout ça. Allô, toi? Pas intéressant, vos affaires. Mais pourquoi je peux pas? N'ai aucune idée. Ah mon Dieu. Ils ont construit un mur de terre ou quoi? Hein? Je suis sûr que c'est un cartographe. Ou peut-être pas. Non, mais il y en a pas mal. Mais pour... c'est qu'est-ce que vous faites, vous? C'est un nouveau PNJ que... Non, je suis pas au courant. C'est quoi? Tu sais, la miniature du début, là, ça aurait été la miniature qui aurait été supposée. Mais la nouvelle miniature ne sera pas celui-là. Parce que j'ai changé d'avis. J'espère que vous avez deviné c'est quoi. Peu importe que vous avez deviné ou non. Ça n'a pas d'importance parce que vous l'avez vu. Hey! Attends un peu. Oui, je vais prendre la photo. Je vais vous prendre la photo. Hey, regarde-moi. Merci. Ah, oh, 3 en plus. Ah, ça c'est parfait ça. Je vais faire une petite ellipse. Le temps de sauvegarder cette photo, cette image. On est de retour. Je me demande vraiment c'est quoi ça. C'est quoi c'est là. Ces villageois là. Je vais rester ici pour la nuit. De toute façon, j'ai un lit. Je vais me faire un peu de nourriture avec des vaches. Je vais m'en manquer sinon. J'ai pas de fête de four, mais si je me trompe pas, j'ai emmené de la pierre par contre. Vraiment là, je me questionne à quoi ça sert? Ces villageois là. La première fois que je les vois. Ah! Une forge! Ah oh, ouais! Ça c'est fun! Oh là là! Oh, je m'y fous! Des pantalons, ok. Malheureusement, il y a juste un que je vais pogner, là, on sait jamais. Je change tout de suite d'armure. Et voilà! Et tu. Non, j'ai juste ça de. Ah ouais! Dommage. J'avais pas pensé à emmener. Ah, j'ai emmené ma houe. J'ai emmené ma houe. Bye bye, alors. Pour faire la place. Toi, je te mets là. Voilà. C'est la nuit. Je resterai pas.
pas plus longtemps, souvent être dans la forge. Parce que je vais aller là. Hein? Mon Dieu! Comment il est atterri là, ce mouton? Mais comment il est atterri là? Vraiment, là, aujourd'hui, là, c'est la vidéo la plus surprenante de la série. Waouh! Vraiment, hey, des choses que je ne m'y attendais pas. Pas en tête! Waouh! En plus, avec bleu. Merci. C'est ce que je pense. Mais comment que ça arrive là? Oh, wow. Ok, c'est... Oh, wow. Ah! Je dégage la croix. Y a-t-il un mort en dessous de ceci? Mais c'est vraiment bizarre! J'arrive pas à comprendre, honnêtement, là. Je n'arrive pas à comprendre. Comment ils sont arrivés, ces moutons? Désolé, je veux pas te déranger dans ton profond sommeil, ou déranger. Ça, c'est une croix sacrée. Mais comment ils ont pu arriver là? Je n'ai absolument aucune idée. C'est vraiment étrange. Comment ils ont pu arriver là? C'est des questions donc que je me rappelle. Non, je ne pourrais pas y répondre, malheureusement. Oh, des carottes. Parfait. Pour faire. On va faire la cultivation de carottes. C'est parfait ça. On va reprendre notre route. Après avoir pris de la nourriture. Des questions sans réponse. Aujourd'hui. Aujourd'hui. On pourrait dire qu'on a vu. Bon. Dites-moi en commentaire si vous savez à quoi que sert ce villageois-là. Je sais qu'il y a un cartographe, mais là il y en a plus qu'un. Il y a un trop cartographe, puis pourquoi que je suis pas capable de rien faire avec eux? Je peux pas rien faire plutôt marchander avec eux. Pourquoi? C'est une raison à laquelle que je suis pas capable de marchander? Ou c'est juste comme ça? Vert, c'est la première fois que je les vois, me semble. En plus, les vaches se téléportent quasiment. Puis les moutons, ils sont à une place insensée. Donc, on se demande comment ils sont arrivés là. Avec un zombie. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour du slime, hein? Qu'est-ce que l'on ferait pas pour du slime? Ah, il y en a quand même pas mal, là, des vaches. On n'est pas dans l'extrémine cette fois-ci par contre. Dans les plaines, peut en avoir. Même si j'ai déjà dit que si vous voulez des vaches, allez dans l'extrême zone. Mais il y en a aussi dans les plaines. On va se faire un maximum de nourriture. Si toi tu vas te laisser faire. Je sais que tu vas pas mourir, mais t'as pas le choix. Ceci dépend de ma survie. Les arbres à pas. La forêt à pas rentrer avec un cheval. Au moins, qu'est-ce qui est bien, c'est que j'ai un lit. Au moins, en deux coups, ça se tue. L'autre qui a été trop vite. Je veux que vous restiez à votre place. Faut pas que vous en allez, je veux vous manger. Mais si vous voulez pas que.
que je vous mange, vous avez pas le choix. Parce que faut que je survie, faut que je mange, faut que je me nourris, faut que je parte en aventure pour trouver du slime parce que c'est pas facile de trouver du slime. Faut que je batte des ennemis. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que. Faut que je fasse attention aussi parce que je suis en upgrade. Faut oublier, c'est la série à laquelle une mort, c'est la fin de la série. Mais au moins, j'ai te fait au moins 12 vidéos, au moins. Et ça ne tente pas de passer à travers le souci. Ok, je suis une petite. Ouh, le lag. Dans la dernière vidéo, vous vous souvenez la grotte puis le bruit étrange? Je me demande c'est quoi? J'ai rien dit. Pourquoi? Parce que la dernière fois que je disais, c'est quoi ça? J'essayais de pogner l'audio puis j'ai oublié puis j'ai effacé l'audio. Cette fois-ci, j'ai pensé à le saut, mais j'ai pas dit. Mais pour, je me demande vraiment c'est quoi ce bruit. Canne à sucre. J'en suis sûr que c'est tu la canne à sucre. Ah oui, de toute façon j'en ai. J'en ai la canne à sucre. J'en ai pas besoin de l'eau. J'en ai à la maison. Je sens que le voyage va être long. Je sens que le voyage sera long. Et pénible. Pénible. Je sais même plus comment on dit. Je doute. Pénible. 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 Moi qui oublie comment ça se dit. Et combien en viande à cuire? 56. Allô, toi? Bon, on va être sûr de fait au moins un stack complet. Je vais être sûr d'être correct. Pour un bon bout, oublie qu'on nous sommes à l'upgrade. Bon, peu. Mais si on meurt, on récupère pas nos vies. On meurt pour de bon! Ça ne tente pas de mourir pour de bon. Ça aurait été plus avec un cheval, par contre. Ouais. Pff, des fois, faut aller à l'autre bout du monde pour juste pour trouver un marais. Puis avoir du slime. Excellent. Excellent. Je sors d'arriver. Puis retourner à maison. Il me semble que j'ai pris les coordonnées. Et pourquoi? Tout simplement parce que je sens que je me rappellerai plus des coordonnées. Puis je vais me perdre si j'aurais pas pris les coordonnées. Puis si j'aurais. Je m'aurais fié avec mon instinct. Bon, mon instinct est bon. Est bon, mais. Il y a ses limites, hein, quand même. J'écoutais le tricheur avec mon père hier. Le plus drôle là-dedans, ça va bien. On se doute une personne en particulier. On se dit, on se donne deux choix. Une première fois, bon, j'ai pris le premier choix. Je me disais, c'est vraiment lui. Deuxième choix. Le premier choix, c'était le quatrième. De gauche à droite, le quatrième. Le deuxième choix que j'ai pris, c'est le deuxième. Mais mon père, lui, a pris le premier. Mais savez-vous quoi? J'ai réussi! J'ai suivi mon instinct allait au deuxième. J'ai bien fait de l'écouter mon instinct. La preuve, j'ai pogné le tricheur. Et il a eu une partie extrême parfaite. Une extrême parfaite. Oh que oui! Mais qu'est-ce que ça veut dire extrême parfait? Est-ce que vous, je sais pas si vous savez le c'est quoi le tricheur, mais c'est 5 personnes dont un a toutes les réponses qui est le tricheur. Si il floue tout le monde, toutes les autres personnes, disons 4 personnes qui choisissent pas eux, c'est une partie parfaite, une partie plus que parfaite, il flouait tout le monde, et je me souviens plus de l'autre description. Ah oui, le plus que parfait, c'est il flouait tout le monde. Non, je recommence. Je vais me mêler.
La parfaite, c'est flouer tout le monde. La plus que parfaite, flouer tout le monde. Et Guy, l'animateur. Parce que Guy aussi, il faut qu'il trouve le tricheur. S'il réussit à le trouver, c'est pas une parfaite. Une plus que parfaite. S'il floué lui avec, c'est une plus que parfaite. Mais une extrême parfaite. Les autres, ils disent pas extrême parfaite. C'est moi qui lui ai donné ce nom-là. L'extrême parfaite, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est flouer tout le monde, plus avec Guy, en plus de ça, le public. Eh ouais, le public aussi vote. Puis si on a floué même le public, ce qui veut dire ce pourcentage est à zéro, de flouer le public aussi, en gros, c'est tout le monde, là, c'est une extrême parfaite. Et tellement que l'autre personne, on pensait vraiment c'est le tricheur. Ce qui a confirmé notre choix, ce qui a été planté, c'est l'arsenic. La question était le symbole que tu... Bon, je sais plus c'est quoi les noms de le... Mais c'est pour l'arsenic. Il disait, ah, ajoute. Comme sa mère disait, comme Guy disait, comme ça, comme exemple, ou je pense que c'est dans la question. Ah, est-ce que tu pourrais remettre de l'élément chimique? Mais il demandait ça, de l'arsenic. Ça me fait penser à Obélix et Astérix, avec le pudding et l'arsenic. Le pudding à l'arsenic! Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des Gaulois. Et ouais, le pudding à l'arsenic. Ça me fait penser à ça. Est-ce qu'il était en train de faire du pudding à l'arsenic tant que ça? Je me le demande vraiment. Mais là, c'est lent. Et long, longtemps. Je pensais que c'était un bug. Oh, en plus de ça, on voit une plateforme suspendue par un pilier. Avec de la lave pas loin, juste là. Une chambre pas loin dedans. Une chambre. Ah, que ça va être long, non. Une chambre, j'ai pris. Une chance que je l'ai dans mon dans la vidéo. Et non, je veux pas le couper. Car si je le couperais, là, je serais d'un certain sens foutu, mais d'un autre sens, plus loin parce que je l'ai tout simplement quand je me suis perdu. Si vous vous souvenez des premières vidéos, pas les premières, mais quand j'ai été voir pour l'igloo. On a trouvé des igloos, je me suis perdu, puis une chance que j'avais pris les coordonnées à quelque part, je m'en souviens plus trop quand. Puis j'ai pu revenir. Et sinon, je m'étais perdu complètement là. J'étais plus capable de retrouver mon chemin. Je pars à l'aventure loin de chez moi. Au périple de ma vie. Au périple de la série. C'est pire, ouh. Ça a l'air intéressant. Faire attention. La grotte est large. Qui n'est pas juste une simple grotte. C'est intéressant. Je pense que je vais m'enfuir tout de suite. Ça ne tombe pas me battre contre des squelettes. Puis mourir dans d'atroces souffrances. Sans avoir été dans l'End. Parce que j'aime ça aller dans l'End. Moi, je m'éloigne de plus en plus. Je suis rendu à où? Juste. Je suis rendu à moitié fil. Eh mon Dieu. Je pense que je vais aller par là maintenant. Au pire, je vais traverser l'océan. Dans le pire des cas. Moins de 1000. C'est à combien au début? Je sais même plus.
Ou que j'allais me noyer ridiculement. Mais honnêtement, ça va être long. Juste trouver un mari. Il n'y aurait pas pu avoir un mari à proximité. Ça aurait été bien utile. Très pratique. Mais non, faut qu'il nous mette à l'autre bout du monde. Mais ouais, il veut nous faire chercher. Puis nous rendre la vie plus difficile. Ouais. Je vais me faire un bateau. Ouais, un bateau. Sérieux? J'ai laissé la table de greffe là-bas. Oh non. Ouais. J'ai laissé la table de greffe à côté de la croix. De toute façon, c'est pas trop loin de chez moi, je vais être capable d'y retourner une autre fois. Au moins. Là, je vais faire un bateau. Ok. Je me souvenais plus si c'était juste ça. Quand à un moment donné, il fallait faire une pelle aussi en même temps. Hey, le fond bouge. Vous voyez? Le fond bouge. Ça m'en est fait. Moi qui essaie de mettre un lit dans l'eau. Waouh! Ça va bien aujourd'hui! Ça va très bien! Ah! Tellement que ça va bien. Que quand on voit des choses spéciales aussi. Bon. Le villageois, pour commencer. Le mouton, donc. Je ne vois même pas comment il a pu arriver là. Quoi d'autre? Oh mon dieu, il y en a dans 27. Quoi d'autre? Moi qui dis n'importe quoi. Je convenais bien les choses. Avec de l'océan à perte de vue. Et que ça va être. Et ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Quand même assez intéressante et je trouve surprenante. Et c'est pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google Plus, Twitter, car tout le monde est bienvenu. Alors je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en Upcard parce que je suis toujours vivant. Puis j'espère de l'être encore longtemps. Ok, ok. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Ouh. Encore de l'océan.